Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo de votre ami Kagerou. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur la miniature et certainement dans le titre, ça va être une ouverture de colis. Alors c'est un tout petit colis. À l'intérieur, il y a juste un jeu vidéo. Voilà. Donc c'est un jeu vidéo Switch déjà. C'est un jeu vidéo qui est sorti d'abord en dématérialisé en septembre 2020. Alors après le jour exact, voilà. Il est sorti en démat en septembre 2020 sur plusieurs plateformes, donc Switch, je crois que c'est Xbox One et PC. Je crois pas qu'il soit sorti sur PlayStation, je suis pas sûr, mais s'il est sorti, vous le verrez, vous le mettrez dans les commentaires. Ensuite, il est sorti en physique. Au départ, une version physique n'était pas prévue. Et finalement, ils en ont fait une qui est sortie en mars 2021. Donc c'est un jeu très récent, hein, qui vient de sortir quasiment. Hein. Donc c'est un jeu que je voulais, parce que déjà c'est une édition limitée, donc je pense que le jeu ne va pas être réédité en version physique, je pense. Et on pourra toujours l'avoir en version dématérialisée, mais en version physique, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, il me semble. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce petit colis? Quel jeu ça peut être? Déjà, je vous ai donné quelques indices, donc... avec un peu de chance, vous pourriez le trouver. Hein. Mais qu'est-ce que ça peut être comme jeu? Allez, je vais vous donner un autre indice. C'est un jeu qui a récupéré pas mal de récompenses, dont le BAFTA du meilleur jeu de l'année 2021. Là, déjà, ça vous met sur une piste un peu plus grosse. Hein. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ouvre? J'attends un peu. Vous voulez que je vous sorte une chanson en attendant? Hein? Non? Pas de chanson? Bon. Vous voulez que j'ouvre? Eh ben faites-moi péter les pouces bleus! Mettez-moi des pouces bleus sur ma vidéo, plein 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 de pouces bleus, tous ceux qui le regardent, même si vous aimez pas, mettez un pouce bleu! Allez, bon, c'est parti, on va l'ouvrir! Allez, comment ça s'ouvre? Alors déjà, il y a des pointillés, donc je pense que... Hop! Ah, qu'est-ce que c'est? Je vais voir un truc... A priori, c'est le bon jeu, déjà! Non, parce que j'ai eu des petits soucis avec certains colis récemment, donc déjà, apparemment, c'est le bon jeu. Attendez, je vérifie juste... Oui, c'est le bon jeu. j'ai un petit peu peur. Hein. Allez, on va l'ouvrir. Attention, 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 attention. Hop. Alors déjà, allez, c'est un jeu Switch. Hein. C'est un jeu Switch, déjà, voilà. Ah, merde. Eh merde, vous allez voir ce que c'est. Tiens, c'est aussi un jeu, tant que j'y pense, qui a été récompensé par rapport au LGBTQ+, oula, beaucoup trop de lettres dans cet acronyme. enfin, pour tout ce qui est gay, homosexuel, transgenre, tout ça, qui a été, voilà... Il a eu une récompense aussi, parce que apparemment les LGBT sont très représentés dans le jeu. On verra, je ne sais pas, j'y ai pas joué encore. Allez, je le sors. Et donc, voici Hades en édition physique sur Switch. Je vais pouvoir m'éclater un peu. En plus, c'est vrai qu'il a pas l'air trop mal, j'ai vu des petits gameplays et tout. Bataille hors de l'enfer, défiez le dieu des morts et frayez-vous un chemin hors des enfers dans ce roguelike en mode dungeon crawler. Oui, parce que bien sûr c'est un roguelike. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un roguelike, si vous connaissez des jeux comme Diablo, comme les Baldur's Gate, voilà, c'est ça. C'est un jeu en 3D isométrique, en vue isométrique, où faut défoncer. Il y a un peu de stratégie, un peu de RPG, voilà, faut faire monter ses stats, voilà, c'est ça un roguelike. Alors en plus, ce qui est sympa avec l'édition physique, c'est qu'on a un code pour télécharger la bande originale en numérique. Après, c'est sûr que quand on est collectionneur, on aurait préféré l'avoir en physique, mais bon, voilà, ça reste quand même, voilà, c'est une boîte de Switch, c'est compliqué de faire rentrer une bande originale dedans. Et un mini artbook qu'ils appellent le compendium des personnages, où tous les personnages du jeu sont répertoriés dedans. Ouais, enfin bien content de ce petit achat, hein, franchement. Alors moi j'en suis ravi.
Et puis bon, c'est le bon jeu que j'ai reçu. Miracle! Bon, bah, va falloir que je teste tout ça, hein? Donc je pense que là, pendant que je vous parle, il y aura peut-être là, ou peut-être là, je sais pas, ou peut-être là-haut, ou peut-être de ce côté, enfin, peu importe, il faudra que je trouve la place. Je vous mettrai en même temps quelques images du jeu, peut-être la bande-annonce pour que vous voyez un peu de quoi le jeu a l'air. Donc j'espère que cette vidéo, petite vidéo unboxing vous aura plu. C'est un unboxing léger, hein, il n'y avait qu'un jeu, mais bon, c'est... Mais quel jeu ? Hey ! C'est avec un jeu, mais quel jeu quand même, hein. Je pense que tous ceux qui l'ont fait, ou qui le verront, ou qui se renseigneront un petit peu sur le jeu, vous allez voir que voilà, c'est vraiment une pépite, hein. Donc j'espère que cette vidéo, comme je vous dis, vous aura plu. Je pense faire une autre vidéo, alors peut-être la semaine prochaine, voire dans 15 jours, tout dépend quand est-ce que je le recevrai, d'un colis mystère de graphic novel DC Comics. J'en dis pas plus, hein. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. On est vendredi, en espérant que cette vidéo soit postée aujourd'hui. Un bon week-end à vous. Et jouez à vos jeux. Collectionnez, jouez, c'est l'essentiel. Allez, à plus les amis. Bye, 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 bye. Hades.